enlève le pied de l'escalier. S'il bouge trop, s'il bouge un petit peu, et vous pouvez juste faire en levant la main, plier le cheval et arrêter ses pieds, ça c'est top. Et quand il arrête de descendre, mais s'il passe à la montée déjà, descendre, chasser l'arrière-main de tour et refaire. Bouge les pieds côté opposé et descend. Fais attention de ne pas mettre votre pied dans sa ventre, sinon vous pouvez avoir un problème d'altitude très rapide. Normalement, quand on débraye un cheval, personnellement, je monte à cru avant que je... Avant que je mette la cheval. Comme ça. Attends qu'il cède, merci Pat. Et après, au milieu, comme ça, et quand il cède, relâche. On peut aussi faire... Yeah. On peut aussi faire un petit peu à droite, prendre le rein un petit peu à gauche. Et quand le cheval cède, fixe la main, laisse le cheval céder. Et quand il quitte la pression, avancez la main et laissez. Mais quand je touche le rein, je veux que mon cheval il fait ça. Et il cède. Et cède. Donc vous avez une flexion à droite, flexion à gauche et flexion verticale. Tirez la patte un petit peu dans la main, comme ça. Et quand le cheval cède, ouvre la main très rapidement. Mais l'important c'est d'avoir une main qui ferme lentement et qui s'ouvre très très rapidement. Le couteau plus vers la nombril cette fois. Ok, et après on va faire avant-main, donc jambe gauche, main droite. Pousse les épaules vers ici. Excellent. Et ouvre la main, pousse avec les jambes, pousse les épaules vers ici. Excellent. Exactement ce que vous devez faire au sol. Donc on a arrière-main, couteau dans le nombril. 1, 2, 3. Ne grimace pas, il n'y a rien dans ta bouche. Et avant-main, pousse avec les jambes droites, guidez à gauche. Rein direct. Rein d'ouverture, bougez ses épaules vers là-bas. Excellent. Donc, si je ne peux pas reculer un cheval, j'estime que je n'ai pas beaucoup de frein. Et ça, ça me gêne un peu. Go, serre les jambes. Je ne peux pas aller là-bas parce que mon microphone va siffler. Go, avance le boucle de ceinture, serre les jambes. Ok, pas mal. Donc, go. Lock le bassin, utilise la main si nécessaire et pourquoi pas reculer, mettre la pression à nouveau, poil pour, et pousse le boucle de votre ceinture en arrière. Plus tard, vous allez être capable de reculer le cheval juste avec le bassin. Et après, vous allez faire arrière-main, 1, 2, 3, et avant-main, 1, 2, 3, et marcher. Vous faites ça à l'autre côté maintenant, levez, glissez, arrière-main, 1, 2, 3, avant-main, 1, 2, 3, et marcher. Et finalement flexion avec les mains, touche maintenant en avançant la tête, touche, 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 quand ça cède, avance la main. Avance la main. Et quand mes mains se raccourcissent un petit peu, tu veux qu'ils cèdent et relâche. Prends. Prendre, cède, et rentre, et puis vers là-bas, prendre,
Je regarde mes mains. Je veux ça dans les mains. Regarde les reins. Ok, et je pète le pas dans mes mains, mais je suis en train de tirer. Il est bien. Tout est en place. Guide mes épaules vers le bas. Tout est bien. Et je devrais être capable d'avoir cette flexion. Si j'ai cet arc avec les reins entre le pouce et l'index. Excellent. Relâche. Déplie vers le bas. Prendre. Cède. Prendre. Mais l'importance dans le truc, c'est de ne pas garder la flexion trop longtemps. Prendre. Cède. Prendre. Et reine longue, laisse tes filles vers le bas. Reine longue, je devrais être capable de guider le cheval vers le bas. Guider le cheval vers le bas, juste avec les jambes et arrêter sans la main. Et avancer juste en faisant ça. Touche des reines, bonne réponse, relâche. Touche des reines, bonne réponse, relâche. Et l'indirect, direct, c'est l'idéal. Ma arrière, ma avant, ma... Juste ne garde pas cette flexion trop longtemps, les enfants. Hein. Parce que c'est bien, mais quand ils cèdent, relâche. La flexion ne s'enlève pas, donc il n'y a pas d'intérêt de céder. Si le cheval cède, c'est comme enlever un mouche. Il est prêt de faire un geste qui enlève la pression de lui-même. Quand on parle en équitation d'agir, résister, céder. Je ne peux pas exagérer la différence et l'importance entre la différence entre résister et tirer. Il y a un monde. Isolez l'arrière-main, isolez l'avant-main, mais sur un lit. Arrière-main, 1, 2, 3, avant-main, 1, 2, 3.